Bon, je filme un peu l'orage. Tu vois, il y a des éclairs, il y a de la foudre dedans. C'est un train nuageux. Non, non, c'est de la foudre. Il y a combien? 4 km. Donc ça fait 4 à 5 secondes entre les éclairs et le tonnerre. Puis ça va s'espacer parce qu'il s'éloigne, tu vois. Incroyable, le troisième orage en une seule journée, en l'intervalle de 3 heures. C'est fou, hein. Oui, mais en même temps, il fait 33 à 34 degrés à l'ombre à Clermont, donc c'est normal, hein. Avec un taux d'humidité à 86%, donc il ne faut pas s'étonner, hein. Alors, va-t-il y avoir d'autres éclairs? Certainement. Allez, je filme un dernier éclair et un coup de tonnerre et j'arrête là. Parce que je sais qu'ils annoncent plein d'orages pour jusqu'à la fin de la semaine. Et que ça ne sera pas le dernier. Et tu vois, on dirait qu'il se rapproche un peu. Ouais. Ben, il touche Clermont, là, il est dans Clermont. Clermont Sud. Pas loin du. Entre le Zénith et Clermont, à l'entrée de Clermont Sud. Oh, tant pis, hein. On verra les éclairs au-dessus. Il n'y a pas entièrement. Ouais, mais vu que la foudre est tombée, je pense qu'il n'en donnera pas d'eau. Ouais, ça pleut un peu, on a de la flotte. Que l'orage est là finalement. Minutes 9, ouais, ça devrait pas tarder à retaper, non? Ouais, vu comme il fait super chaud. Alors, éclair ou pas éclair, foudre ou pas foudre, intra nuageux ou foudre, ou extra nuageux ou inter. Si toutefois ça refait, hein. Un coup de tonnerre simple. Ça, c'est la foudre. Ça, ouais. Incroyable. C'est des vidéos que je mettrai sur ma chaîne parce que c'est spécialisé sur les orages, mais que je ne garderai pas parce que voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt si c'est juste des coups de tonnerre. Pour les éclairs, oui, mais